Je m'appelle Nathalie, je suis journaliste. J'accompagne la tournée du film Chocolat dans les villes de France. J'accompagne surtout l'équipe du film qui vient à la rencontre de son public. Je vous demanderai donc d'accueillir chaleureusement le réalisateur du film Roche Dizem et son acteur principal, Omar Sy. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, Roger et Omar sont ici pour échanger avec vous parce qu'ils ont très envie de savoir ce que vous avez pensé du film. Ils ont aussi envie, ils sont là pour ça, de répondre aux questions que vous avez à leur poser. Donc, on est vraiment ici pour ça, pour un échange, pour une rencontre. Je vais poser une ou deux questions, histoire de détendre un peu l'atmosphère qui pourtant est très chaleureuse. Et puis évidemment, dès que vous en avez envie, vous levez la main, on vous apporte un micro et vous intervenez. S'il vous plaît, faites-le dès que vous en avez envie. Roche Dizem, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y avait une seule raison à retenir entre toutes celles qui vous ont poussé à faire ce film, laquelle serait-ce ? Omar Sy. C'est gentil. Et pour Omar, s'il y avait une seule raison. Vous avez la réponse. Non, mais c'est un peu maigre. Vous êtes un peu dur avec votre question, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, et Omar fait partie de ces raisons. Mais il y a cette histoire extraordinaire de ce personnage emblématique qu'on a tous oublié, pas oublié. On n'en avait même jamais entendu parler, mais il a été oublié par la mémoire collective. Et forcément, ça nous rend curieux. C'est la première chose qu'on s'est demandé, Omar et moi d'ailleurs, quand on nous a parlé de ce projet, c'est mais pourquoi personne ne nous en a jamais parlé? Pourquoi on ne le connaît pas? Pourquoi il n'y a pas de traces de ce personnage-là, de cet homme, de Raphaël Padilla? Une raison pratique à ça déjà, c'est que c'est une époque où on laissait peu de traces. Non, parce qu'on se rappelle très bien de Lautrec, de Debussy, de Cocteau. Donc pourquoi on ne se rappelle pas de Raphaël Padilla? Je suis pas d'accord avec vous. Toc. J'ai pas le droit de répondre en fait. Non, mais au-delà de ça, c'est voilà, on peut être que fasciné par ce parcours de cet homme né esclave et devenu la coqueluche de tout Paris, et ce combat qu'il a mené avec la seule arme qui était la sienne, à savoir le rire, pour être reconnu aussi en tant qu'homme. Voilà, c'est autant de sujets qui me fascinent et qui m'intéressent. Et de raconter ça aussi à travers ce couple, ce duo, Georges Foutit et Raphaël Padilla, qui pendant 15 ans ont été les deux plus grandes vedettes de la scène parisienne, et de raconter cette épopée à travers ce duo, avec toute cette ambivalence qui est la leur, mais en même temps cet amour qui les concerne, la scène de la fin raconte tout ce qu'ils ont vécu. Voilà, il me semblait qu'on avait là aussi un grand film de cinéma et en même temps la possibilité de découvrir une histoire vraie qui raconte aussi un pan de notre histoire, tout simplement. Omar Roche Dizem vient d'évoquer le couple. Bonsoir. Bonsoir. On va dire bonsoir quand même. C'est Omar Sy. Bonsoir Omar Sy, j'ai une question à vous poser. Acceptez-vous d'y répondre? C'est vache parce qu'on peut avoir un fou rire stupide pendant 10 minutes. Il parle de duo, il parle de couple. Qu'est-ce que vous retiendriez? Vous diriez plutôt duo ou couple? Parce que derrière le couple, il y a vraiment ce qu'on peut appeler les hauts, les bas d'un couple. Enfin, qu'est-ce que vous retiendriez? Mais parce que les deux vont ensemble en fait. Parce qu'un couple est un duo et un duo est un couple. Ça, pour moi, c'est vrai, ça va ensemble. Un duo, ça fonctionne de la même manière. Et effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. C'est montagne russe, quoi, et c'est toutes ces choses-là, c'est les succès, c'est les défaites, c'est les disputes, les mésententes aussi qui forment, qui sont la vie d'un duo et d'un couple. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Donc je dirais, je dois choisir entre les deux, c'est ça? Je dirais un duo. Voilà. Oui. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider, du coup, est-ce que vous avez envie de réagir, c'est le moment? Oui. Il n'y a pas de troisième micro?
Si, si, il arrive. Il arrive d'où? Dex. Une question au fond. Alors, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, si je peux me permettre, avant tout, joyeux anniversaire avec 2 jours de retard, Omar. Ah, c'est gentil, ça, dis donc. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous permettre. Oui, je vous vois. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai énormément apprécié le film et votre rôle, évidemment. Merci. Il est très touchant. C'est une part que je ne connaissais pas de vous. J'ai énormément apprécié. Quant à vous, Roche Dizem, j'apprécie votre réalisation. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'était mon anniversaire le 28 septembre. Et vous... Ça m'échappe. Vous savez, juste, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Effectivement, on a besoin d'avoir vos réactions parce que nous, voilà, le cinéma, on travaille chacun dans notre coin, on fait des films ensemble, mais après, on aime savoir ce que vous avez ressenti et n'hésitez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Simplement de savoir ce que vous avez ressenti, ça nous intéresse, c'est ça que je veux dire. On a adoré. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Moi, ce que je voulais dire, j'ai énormément aimé le film. Mais moi, j'avais spécialement une question pour Omar. Bon, elle peut paraître un peu étrange, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu, finalement, accaparé le personnage d'une manière un peu plus personnelle? C'est-à-dire que vous n'êtes pas un peu identifié par rapport à maintenant? Comment dire, sans que ça paraisse un petit peu bizarre, mais vous êtes finalement une personne de couleur qui est très célèbre en ce moment, depuis le film. Est-ce que vous n'êtes pas du coup un petit peu identifié à Chocolat à cette époque, qui était une personne de couleur qui d'un coup a explosé dans le monde du spectacle comme vous? Donc est-ce que vous n'êtes pas un petit peu identifié à ce personnage? Monsieur est étudiant en psychologie. Oui. Est-ce que ça... Mais la question en tout cas n'est pas bizarre. Donc, ne t'auto-juge pas comme ça. Il faut bien la formuler parce que bon, ça peut pas. J'ai très bien compris ton français. Je te réponds. Je crois que de toute façon, pour interpréter un rôle, il faut un petit peu voir ce qui nous touche. Et dans ce qui nous touche, il y a notre vécu. Donc, forcément, on va chercher dans les choses qu'on a pu vivre un peu à l'identique. Et là, effectivement, pour un rôle comme celui-ci, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, je crois comprendre beaucoup de choses qu'a pu vivre Raphaël Padilla. Pour ça, oui, pour le succès qu'il a eu, pour ça. Son mariage, Miss, tout ça, mais c'est une autre époque. C'est une autre époque, mais je crois avoir une vraie sensibilité avec son parcours artistique. Voilà, compte tenu du duo et d'être aussi un peu le seul, même si c'est pas mon cas, moi je suis pas tout seul. Il y a d'autres artistes noirs en France, mais voilà, être un peu comme ça, isolé, là-dessus, je crois l'avoir. Effectivement, on va forcément chercher des choses de notre vécu et avec Raphaël Padilla dans quelques-uns. Pour rebondir sur le même sujet, est-ce que bonsoir du coup le réalisateur Monsieur Ricci, est-ce que vous n'avez pas du coup rebondi sur la célébrité de Omar pour faire interpréter le rôle? Il y a une similitude entre les deux ou c'est vraiment par rapport à une Doubler ta quatrième. c'est difficile, mais non, finalement c'est mais peut-être non, parce que vous connaissez. Je vais vous répondre. On ne plaisante qu'à moitié, mais je vais vous répondre. Mais il a très bien répondu. Évidemment, il y a des analogies entre le parcours de Raphaël Padilla, mais les statuts n'étaient pas les mêmes. On parle d'un enfant né esclave, en plein empire colonial, donc il n'était pas considéré. Il était apprécié comme clown, mais comme en tant qu'homme, il n'a jamais été accepté par la société de cette époque, ce qui n'est pas le cas d'Omar. Mais les analogies, elles sont intéressantes. Effectivement, il parlait du duo, il a été. Pendant très longtemps le partenaire de Fred Testo, il a son association où il se rend dans les hôpitaux pour rencontrer les enfants. Et Raphaël Padilla a été le pionnier de ça, le précurseur de ces visites thérapeutiques. Donc évidemment, on se nourrit de ça. Et ces similitudes ne font que servir le propos et enrichir le personnage
Et évidemment, pour Omar, quand on travaille ensemble, j'ai pas besoin de lui expliquer ce que ressent le personnage à ce moment-là. Dans un simple regard, on se comprend. Et voilà, mais il faut quand même savoir raison garder dans la mesure où le statut de Raphaël Padilla était beaucoup plus difficile à vivre. C'était un véritable combat, même s'il y a encore des choses à faire évoluer dans notre société, on ne va pas se mentir. Mais on a quand même fait du chemin. Et il en reste encore un petit peu à faire. Merci. Une autre question là. Monsieur ? Oui, il marche. D'abord, merci beaucoup pour ce film et puis pour venir nous le présenter. Et j'ai beaucoup apprécié le spectacle et aussi que c'est un film qui pose des questions, beaucoup de questions. Et une en particulier, c'est à cette époque-là, quelle était la place du clown dans la société ? Parce que c'est quelque chose qui sous-tend un peu le parcours de Chocolat, comme vous nous l'avez présenté. Est-ce qu'il se considérait comme un artiste ou est-ce que c'était un subalterne des artistes, des clowns à l'époque ? Non, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est claire. D'abord, il faut savoir que les clowns étaient ce qu'on appelle les rockstars aujourd'hui. C'était les seuls. Le cirque, au début du siècle dernier, était la distraction, le loisir prioritaire des Parisiens, surtout comme on peut le voir dans les images. Beaucoup de bourgeoisie et de ce qui restait de l'aristocratie. Le peuple était en haut dans les travées quand il avait les moyens de payer sa place. Donc c'était vraiment c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs les figures de toutes les campagnes publicitaires. Donc, il se trouve que le fait qu'il soit noir, il était moins bien payé que Georges Foutit. Il y a une scène d'ailleurs où on voit... Ça c'est... Voilà, il y avait des inégalités comme ça. Qui était accepté parce que c'était dans l'inconscient collectif, c'était quelque chose de tout à fait normal. Mais en revanche, il était considéré comme un véritable artiste parce que il est venu avec une nouvelle façon de bouger, une nouvelle façon de mouvoir. Il a inventé un comique que la France de cette époque ne connaissait pas. Et ils ont profité de ses compétences pour créer des numéros qui étaient une vraie satire de la société. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le public à ce moment-là est au premier degré ou pas ? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Mais en revanche, en tant qu'artiste, il était vraiment, quand on lit les articles de l'époque, il était plus qu'apprécié, il était vraiment considéré même. Mais voilà, c'est lorsqu'il a voulu franchir le pas et devenir un acteur, et puis être accepté, voilà, que là, les gens n'étaient pas encore prêts. Et la suite, vous la connaissez. Mais clown, en tout cas, ça n'avait pas le même sens que ça, péjoratif que ça peut avoir aujourd'hui. Clown, ça c'est valable aujourd'hui. Mais à l'époque, le cirque avait une vraie place et c'était le divertissement principal. Donc être clown, c'était sur la scène, c'était quelque chose de très apprécié et de respecté. Ils l'ont tous fait d'ailleurs, et c'est là. Alors on a fait beaucoup de villes, si je peux me permettre de faire une petite remarque, c'est la seule ville où les gens se lèvent quand ils parlent. Et on en profite. Et on en profite, et ça c'est très bien, on apprécie. On vous remercie, Marseille. Marseille, je t'ai dit, allez l'OM. En fait, j'ai deux questions, elles vont être très rapides. J'en ai une pour Rochely. Comment est-ce que quand on vous donne un scénario comme ça, vous voyez donc le côté important, solide, dur, avec le hockey, tout le côté un petit peu plus fort. L'avant, excusez-moi, qui est derrière. Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous voulez le filmer? Quand moi, j'ai vu votre film, j'ai remarqué des petites allusions, comme si, tiens, c'est ce réalisateur qui a filmé comme ça, des travelling, des choses comme ça, des petites références par rapport à vos derniers films. Comment est-ce que, quand on vous donne ce scénario-là, on dit, tiens, je vais peut-être le filmer comme ça cette fois-ci, et non pas plus dur ou peut-être plus... C'est une question un peu difficile, mais quand là, je l'ai vu, j'ai vu des références à d'autres films. À quel film ? Voilà, comme ça... Il y en a beaucoup, d'accord. Mais c'est juste des images, en fait. Mais pour répondre rapidement à votre question, des références, je n'ai que ça. Parce que je suis un cinéphage
Et forcément, mon cinéma se nourrit de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu surtout admirer. Mais elles ne sont pas précises. C'est-à-dire que j'ai une banque d'images à l'esprit. Et effectivement, quand je pense à une scène, de façon consciente ou inconsciente, elle est forcément inspirée d'un film que j'ai pu voir. Mais je suis comme vous, je suis incapable de mettre un nom. Mais forcément, mon inspiration, elle vient de ma mémoire. Et après, la façon dont je m'y prends, ça dépend de la séquence qu'on est en train de tourner. Et par contre, les scènes, les numéros qu'on voit dans le film, ça, je n'ai pas retrouvé dans le cinéma des films qui avaient pu, de façon violente, montrer des numéros de clown tels que je les montre dans le film. Donc là, je me suis totalement laissé embarquer par les acteurs, parce que c'est eux qui ont préparé ont chorégraphié et élaboré les numéros avec l'aide évidemment de James Thierry, qui est un enfant du CERAC et qui connaît bien le monde circassien. Donc quand on a été amené à les tourner, on a vite compris que la technique allait devoir s'adapter aux acteurs et non l'inverse. Donc c'est presque pour nous de l'impro, même si j'ai pu voir au préalable ce qui allait se préparer, mais le jeu de clown du Covid, c'est pas quelque chose qui se prépare, il y a beaucoup d'imprévus. Donc on a dû adapter les caméras, parce qu'il y avait plusieurs caméras, aux acteurs, et ça a été un vrai moment de bonheur, parce que on a l'impression de travailler sans filet. Et là, en revanche, je n'avais pas de référence. J'espère qu'il y aura un jour des gens qui vont s'affairer à Excusez-moi, et juste une dernière petite question, je vais laisser les autres parler. Et évidemment, c'est pour toi, Omar. Est-ce que je peux y aller. Est-ce que tu n'as pas peur de tomber dans le piège des duos? Évidemment, tu en as fait beaucoup. Tu es parti de certains duos, tu en as fait d'autres. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est ta splendeur dans les duos. Et comment tu ressors, comment tu. Encore, c'est-à-dire, voilà, on repart des duos et d'un couple. Comme ça, j'ai trouvé encore. Tu as très très bien joué dans ce film. Merci. Et que c'est un duo encore. Et non pas, même si tu ressors tout seul très bien, ok, mais c'est encore un duo. Mais alors, moi je ne comprends pas le terme piège du duo. Parce que, en fait, je vois pas dans quel film je pourrais jouer tout seul. Voilà, c'est ça, c'est deux films, c'est Je suis une légende, Will Smith, ou Seul au monde, Tom Hanks. Mais il y a Wilson. Mais voilà, moi, en fait, le cinéma, ce que j'aime, moi, effectivement, je viens du duo aussi, c'est aussi ma formation, mais ce que j'aime, c'est ça, c'est partager avec mes partenaires, avec d'autres acteurs. J'aime faire du cinéma pour ça aussi, parce que j'aime, moi aussi, les acteurs. Donc j'aime jouer avec des acteurs, et ce que j'aime raconter, c'est des liens. Entre les gens, donc c'est forcément avec un partenaire que ça se passe. Et je vois pas où est le piège. En tout cas, s'il y en a un, il me plaît, j'y vais volontiers. Voilà. Donc, pas de souci. Merci d'être debout. Bonsoir, je m'appelle Claire. Je voulais juste vous dire que j'avais vraiment adoré le film. Parce que je pense que vous avez aussi envie de nous entendre et j'ai envie de savoir, donc oui, j'ai adoré, je ne suis pas la seule autour de moi, j'ai entendu en tout cas j'ai senti des larmes couler à la fin, en tout cas les miennes, elles ont coulé. Donc je voulais vous dire vraiment bravo à toute l'équipe. pleurer derrière. Non, c'est vrai que passer du rire aux larmes, enfin c'est ce qu'on attend d'un film, enfin moi c'est ce que j'attends, et vraiment c'est produit ce soir, donc bravo. Merci. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce film et je voulais vous dire, je ne viens jamais aux avant-premières, et là j'ai vraiment du coup tout simplement adoré. J'ai juste un souhait aussi, j'aimerais bien qu'Omar nous fasse sa petite danse du début du film. Quelle danse ! Danse pas dans le film ! Quand tu dis, vas-y montre-moi comment tu bouges. Ça, ah, c'est ça. Plus, il y a un an. Oh, ça va. Oh. Vous pouvez repasser la bande. Non, je me souviens pas, je me souviens pas. Tu peux nous faire la danse de Touchard. Ah, ouais. Je ferai après.
C'est-à-dire, ben, demain à 14h, on revient tous sans un rendez-vous. Non, je suis désolé, mais je suis un peu timide. Et merci en tout cas. Et, non, mais parce qu'en plus, non, en vrai, je vous réponds sérieusement. Le problème, c'est que je l'ai fait parce qu'il y avait James, et comme je suis dans le piège des duos, je peux pas le faire. Voilà, c'est ça, en fait. La vraie raison, c'est ça. Bonsoir. En fait, moi, j'ai pas de questions. Je voulais juste rapprocher le micro de votre bouche. Ah, pardon. J'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste te féliciter parce que tu es parti de loin et aujourd'hui, tu es une preuve de réussite. Puis je travaille avec un public en difficulté et tu es une belle preuve de réussite. Pourquoi qu'on t'en voit un peu. Donc, un grand merci. Voilà. Merci à toi. C'est ça. Alors, je vais continuer dans le sens des deux dernières personnes. Si vous plaît, cassez pas l'ambiance, continuez. on va continuer. Bravo pour le thème, parce que c'est vrai que ça nous fait découvrir le monde du spectacle de la Belle Époque et tout ce qui y va autour. Merci Omar pour toutes les émotions que nous avons pu traverser pendant ce film, du rire aux larmes, tout simplement aussi l'attention qu'on a pu porter à ce personnage qui nous a fait vivre. Oui, les larmes, il y en a eu, je pense, vraiment à la fin. Il y a eu de la colère aussi par rapport à toute la haine par moment aussi de personnes qui sont autour de chocolat et qui ne comprennent pas son ascension. Aussi le sentiment que peut nous évoquer Jeffs, ce personnage qui va aider Chocolat à monter et que Chocolat ne reconnaît pas comme un ami, mais longtemps comme un ennemi, et qui, à la fin du film, ressort dans la proximité de cette fusion entre ces deux personnages. Donc, merci à vous deux, merci même à vous trois que l'on ressent dans le film, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci. Désolé, on t'entend pas. Non, micro. Vraiment duplex. Là, on m'entend. Oui, merci. Bravo pour ce film, c'est vraiment un bijou. Au milieu du film, on voit que Chocolat s'enterre dans une sorte de facilité, de paresse, il ne va plus aux répétitions, il n'innove pas. Est-ce que c'est un travers dans lequel un artiste peut facilement tomber et comment on en sort? Si vous êtes tombé dans ce travers. Parce qu'on me demande de danser, je ne danse pas, donc oui, je suis tombé. Non, mais oui, mais ça, moi je dis, vous le direz peut-être mieux que moi, mais en fait, ce qu'il a voulu filmer vraiment, parce que comme on le disait tout à l'heure, pour répondre encore à la question du monsieur, c'est que vraiment les clowns à l'époque, c'était vraiment des rockstars de l'époque, et c'est comme ça d'ailleurs que Rushdie a voulu filmer ce personnage-là. Et avec la grandeur et la décadence, avec aussi les travers, c'est que le succès, c'est grisant, et puis on s'y perd parfois, on se brûle. Et donc. Oui, Raphaël tombe là-dedans, mais parce qu'il y a aussi sa condition qui veut ça. C'est que c'est une forme de schizophrénie. Il est reconnu en tant que clown, mais en tant qu'homme, il a du mal à exister. Donc, sa façon d'exprimer sa vie, elle passe dans ça, dans la fête, l'alcool, les femmes et la drogue. Donc, ça arrive. On a plein de rockstars aussi qui sont tombés là-dedans à notre époque. Donc, oui, ça arrive. Ça arrive. Comment on en sort ? Une cure. Moi, j'ai la chance de ne pas être tombé là-dedans. J'avais pas aussi cette souffrance intérieure. Je crois que c'est lié à quelque chose de très personnel. C'est peut-être monsieur le psy qui pourra nous aider pour ça. Mais oui, ça, évidemment, ça arrive. On peut en sortir, on peut y rester. Ça, c'est, il n'y a pas de règle. Il y a autant de cas que d'artistes, finalement. Chaque artiste vit son truc selon son vécu et son parcours, mais là pour le cas de Raphaël, il y a ce truc où c'est sa seule manière de vivre comme un homme finalement, puisque il y a que là où il est reconnu en tant que tel, il y a que là-dedans qu'il se sent vivre comme un homme. Il faut oublier qu'il a pas de famille, il a pas de garde-fou, donc quand on touche du près la gloire comme ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous redescendre sur terre, ça devient difficile. Et voilà, c'est un homme qui est seul quand même. C'est un homme sans nom, parce qu'il a un patronyme qui est
stigmatise sa couleur de peau. Il a un autre nom qui est Rapalpadia, qui lui a été donné par son maître. Il n'y a personne à qui s'accrocher. Heureusement, il a rencontré Marie, et de ce fait, il va aller beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un homme qui est seul aujourd'hui, et concrètement également. Il y a une soif de liberté incroyable aussi. C'est ça. Et qui va aller, qui l'exprime un peu là-dedans, la liberté d'aller faire un peu ce qui lui plaît. Exactement. Ah, je sais. C'est ça. Et puis, c'est une bonne question. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Non, c'est le photographe, en fait, il reste. Il se déplace juste. Non, il se déplace, il va le prendre du fond. Bonsoir. Bonsoir. Je suis assis. Non, on n'entend pas. Il y a toujours un petit moment. Il faut le mettre comme ça, comme là, ici, sous le menton, sous la lèvre. Pose-le, tu poses comme une petite barbichette. Vas-y, pars. Bah, là, ça va. Je vais déjà vous dire un grand bravo pour le film. J'avais vraiment hâte de le voir parce que j'en avais entendu parler à la radio de l'histoire de Foutite et Chocolat. Et le jour où j'ai voulu m'en renseigner sur Internet, j'ai appris que vous le faisiez. Donc je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le film. C'est gentil parce que vous ne voyez pas, mais monsieur, il a un t-shirt Star Wars quand même. Donc j'avais vraiment hâte de voir le film. J'avais vu sur Internet leur histoire, mais j'avais vraiment hâte de voir l'histoire, de voir le film. Et j'ai deux questions. La première, on vous connaît tous les deux aussi bien dans des rôles comiques que tragiques. Donc est-ce que c'est facile de passer du comique au tragique pour Omar ou de la tragédie à la comédie pour Rojdi? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait un numéro, par rapport au numéro, combien de temps vous avez mis pour vous préparer et est-ce qu'il y en avait un qui était plus difficile à tourner que d'autres? Voilà. Comment on s'organise pour la réponse? Parce que là, il faut faire un plan de travail. Faire un duo. De la comédie à la tragédie, ça se fait. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir fait petit à petit. Ça n'a pas été brutal et en même temps, ça a été assez naturel parce qu'il y a eu un touchable, ensuite Samba et maintenant Chocolat. J'ai l'impression que ça s'est fait tout doucement. Ça n'a pas été brutal pour moi. Et en même temps, c'est assez naturel finalement. Quand on joue, c'est jouer quoi. Le genre, c'est. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence là. C'est jouer si l'histoire nous touche, si on la comprend, qu'elle nous touche, si le personnage, on le comprend, il nous touche aussi pareil. On y va de la même manière. Après, je crois qu'il y a une question de rythme, et même le rythme. Il est plutôt au montage qui se fait. Enfin, pour ma part, c'est... honnêtement, je ne vois pas vraiment la différence. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont permises dans la comédie, c'est l'impro, tout ça. Mais non, moi, ça s'est fait, j'ai envie de dire, naturellement, sans trop de peine. Quoi. Non, je suis un peu d'accord, sauf que l'impro, tu peux la faire aussi dans un... Oui, mais je suis moins à l'aise. Ouais. Mais en fait, ce que ça demande... pour jouer la comédie ou pour jouer des rôles un peu plus dramatiques, il faut de la sincérité, de l'authenticité et que ça sonne vrai pour les deux genres. Donc ça, voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ensuite le texte et la situation qui rend la situation ou drôle ou dramatique, mais l'acteur, lui, ne doit pas changer. Il doit mettre autant d'intensité, finalement. En tout cas, moi, ceux qui me font rire, c'est ceux qui sont authentiques. Après, quand il y a une forme de connivence, ça me fait déjà un peu moins rien. Donc voilà, pour moi, oui, il n'y a pas de différence en ce qui concerne. Omar, alors, pour que les numéros soient vrais, combien de temps de préparation? Combien de temps de préparation? 4 semaines. On s'est enfermé 4 semaines avec James pour réadapter en fait, les numéros de Foutite et Chocolat déjà existants. On partait sur les bases de numéros qu'ils avaient déjà. Rejdi a confié à James la mission de les réadapter, de les moderniser à sa sauce. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est son métier. Il fait de la scène, il monte des spectacles hallucinants et donc ça, il en est capable. Donc on s'est enfermé pendant 4 semaines pour réadapter ces numéros-là.
Et le plus dur, après c'était ça la question. Le plus dur, je dirais le portrait. C'est le numéro avec la boule, parce que j'ai dû apprendre à faire d'amour. Et je suis un peu, vous ne le savez pas, parce que vous ne l'avez pas vu, mais je peux me déplacer avec la boule. Donc si vous avez une boule à la place de danser, je peux me déplacer dessus. Dernière question, le temps qu'on trouve la boule. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe du film. Et je tiens à vous féliciter car vous avez très bien imprégné le rôle de Chocolat. Merci. Et James, et Foufloum, les acrobaties, c'était super, les cascades aussi. J'ai merci. Vraiment, j'ai une question, c'est combien de temps il a duré le tournage? Et une petite semaine à Cuba pour les flashbacks. Voilà, donc c'est 13 semaines et demie de tournage. Allez, dernière question. Excusez-moi, il y a la jeune fille depuis tout à l'heure, elle lève la main. Je crois qu'elle a levé la main la première. Ouais, la première. Merci. Ouais. Merci. Je ne me fais pas regretter de... je voulais dire que... Enfin, dans le film Chocolat, on voit bien que le racisme est évoqué. Et dans les écoles et dans les collèges, on en parle beaucoup. Et je pense que... C'est à quel âge, hein? À 13 ans. Ah ouais? Et... Ah, parce que je pensais plus. Du coup, on en parle, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait vraiment l'image de la chose, quoi, de la maltraitance un peu... au collège en histoire, on utilise l'histoire d'esclavage, tout ça, mais on n'a pas d'image comme ça. Et un film comme ça, je trouve que ça montre bien les différences, quoi. Et puis là, en quatrième. Et le moment, quand l'acteur qui joue le clown, il se fait justement taper à son tour par Omar Sy, du coup. Franchement, ça montre vraiment... Par chocolat, c'est vraiment... Oui, par chocolat. Parce que toi, tu vas aller à la police et je chocolat. Ça montre vraiment la supériorité des Blancs, en fait, que pensent avoir les Blancs sur les Noirs, alors que pas du tout, enfin... On est tous de la même race, en fait, c'est... Et justement, cette différence-là que Chocolat, du coup, a su se faire, c'est vraiment un succès, quoi. Ça, je sais pas comment dire, ça a vraiment fait un succès. Et voilà, ça montre bien que le racisme est assez tabou, et là, ce film, il illustre bien cette image-là. Quoi. Merci. 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 Ah, il y a deux mains là-bas. Cette fois-ci, il faut choisir The Last One, la dernière. Ah, c'est la demoiselle qui a le micro. Eh bien, c'est la demoiselle qui a le micro. Juste un petit mot pour dire que ce film m'a beaucoup ému. C'est une histoire qui me paraît quand même un peu universelle, même si ça date donc du début du siècle dernier, parce qu'on peut tous se reconnaître dans cette histoire. Le parcours de cet homme qui fait tout pour réussir finalement, qui essaye de réussir sa vie et qui après subit des échecs aussi, qui est confronté à ses peurs, ses faiblesses, et finalement je trouve que c'est une belle leçon de vie et ça peut nous aider aussi, ça nous permet aussi de relativiser les choses. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va terminer sur cette... Sérieux ? Non ? Sérieux ? Oh, non, j'ai le mauvais rôle. Il y avait les suivas. Il y avait beaucoup d'énergie. Ouais. Il y avait les suivas. Au moins les suivas, on finit sur les suivas. Est-ce qu'elle était comme ça? Elle danse. On vous écoute. Mais on vous écoute. En fait, elle voulait juste faire les suivas. Comment ? La scène dans la baignoire, j'ai beaucoup kiffé, quoi. Donc si tu peux refaire la même, ça me fera la gueule. Merci. Ouais. Et la danse. Elle est très bien.
j'ai un petit programme, je vais m'organiser. Je m'organise. Merci pour votre accueil.